Paillettes et Lilicorne, l'anniversaire de Capucine Leual et Bérangère Delaporte aux éditions Casterman. Ce matin, devant l'école de Paillettes, Grenadine distribue des invitations pour son anniversaire. Elle en donne à toutes ses copines. Sa copine à lunettes, celle à casquette, celle à trottinette, celle avec des bouclettes. Il y en a même une pour Lilicorne. Mais rien pour Paillette. « Je suis la seule à ne pas être invitée !» soupire-t-elle, contrariée. Paillette demande à Grenadine. « Pourquoi ma licorne est invitée, alors que moi, tu ne m'as même pas proposé ?»« Parce que Lilicorne a une corne et une crinière, alors que toi, tu n'as rien d'extraordinaire ?» répond Grenadine. Paillette est vexée. « Et voilà, comme d'habitude, je n'intéresse personne !» Mais très vite, Paillette se ressaisit. C'est sûr, elle va trouver une idée pour se faire inviter. Le lendemain, Paillette a une couleur de cheveux un peu particulière. Toute souriante, elle va voir Grenadine et lui dit « Maintenant que j'ai quelque chose d'extraordinaire, tu peux m'inviter à ton anniversaire ?» Mais Grenadine n'est pas d'accord. « Pfff, tu n'es pas parce que tu as copié ta licorne que je vais t'inviter. » Paillette est déçue. À la récréation, elle va voir ses copines et leur pose la question. Pourquoi Grenadine t'a-t-elle invitée à son anniversaire ? Parce que nos parents sont amis, explique Noémie. Parce que je suis sa voisine, répond Clémentine. Parce que je lui ai donné mon goûter, s'écrie Zoé. Ça y est, Paillette a une idée. Elle a trouvé comment se faire inviter. Paillette retourne voir Grenadine. Si tu m'invites à ton anniversaire, je t'offrirai le plus beau des cadeaux. Mais Grenadine lui dit « C'est impossible, parce que ta licorne va m'offrir un arc-en-ciel. Qu- »« Quoi ? Un arc-en-ciel ?» bredouille Paillette. « Eh bien moi, si tu m'invites, je viendrai avec ma baguette magique et j'exaucerai tous tes souhaits. » Mais Grenadine ne la croit pas. « Pfff, tu racontes vraiment n'importe quoi. » Ce soir, Paillette en veut terriblement à sa licorne. Tout le monde préfère ta compagnie, alors qu'en fait, tu n'es qu'une voleuse d'amis. Lilicorne essaie de la réconforter, mais Paillette est désespérée. Encore un anniversaire que je vais rater. Et elle se met à pleurer. Au petit déjeuner, Paillette s'est calmée. Elle demande à sa licorne. S'il te plaît. « Toi qui as de vrais pouvoirs magiques, fais en sorte que je sois invitée. » Lilicorne accepte de l'aider. Elle pose sa corne sur la tête de Paillette et prononce une formule. « Sois toi-même, sois sincère, et tu seras invitée à cet anniversaire. » Quand Paillette aperçoit Grenadine dans la cour de l'école, elle se met à lui parler. C'est dommage que tu ne m'invites pas à ton anniversaire, car j'ai très envie que nous soyons amis. Grenadine est surprise, mais elle dit en souriant. C'est vrai ? Alors d'accord, je veux bien t'inviter, parce que c'est la meilleure raison qu'on m'ait donnée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Grenadine. Toutes les petites filles sont déguisées en licorne. Paillette est la seule à ne pas porter de costume. Et ça tombe bien, car avec ses sabots, Grenadine n'arrive pas à ouvrir ses cadeaux. « Attends, je vais t'aider !» s'écrie Paillette. Grenadine la remercie. « C'est tellement bien de pouvoir compter sur une amie !» Paillette avoue à sa licorne. « Je crois que je ne serai jamais parfaite !» Lilicorne sourit. Si tu étais parfaite, la vie serait moins chouette. Tu es unique, et ça, c'est fantastique! Envie d'une autre histoire? Suivez-moi sur ma chaîne, soutenez-moi avec un j'aime.